Aujourd'hui, nous allons modéliser les courants de convection qui sont responsables de la tectonique des plaques. Pour cela, nous aurons besoin d'un cristallisoir 1000 ml. Nous aurons besoin de l'huile végétale, par exemple l'huile du tournesol. Et cette huile, on va le diviser en deux parties. Cette partie, on va la colorer avec la poudre de la craie pour qu'elle soit différente, de différentes couleurs que l'huile normale. Très bien. Donc, pour schématiser les courants de convection, on va verser un peu d'huile colorée en rouge en bas du cristallisoir, quelques millilitres. Et on va essayer de verser un peu d'huile sur cette huile qui est déjà colorée. On va essayer de le verser sur les bords pour que les deux phases ne soient pas mélangées. Très bien. Là, on voit deux phases. Une phase d'huile colorée en bas et une phase d'huile non colorée en haut. Lorsqu'on va allumer la bougie, il y aura augmentation de température dans le bas du cristallisoir. Et l'huile qui est en haut, qui est au top, elle sera refroidie. Et la loi de la physique, c'est un corps qui devient chaud, il devient plus léger, il tend à remonter vers le haut. Et un corps qui est froid, il devient plus lourd, il tend à s'abaisser vers le bas. C'est qu'on va observer. On va allumer la bougie pour créer une source d'énergie. Donc là, il y a une source d'énergie. On va ensuite observer que l'huile colorée en rouge devient chaud, devient donc léger, il tend à remonter vers le haut, alors que l'huile, voilà, si vous voyez avec moi, voilà l'huile qui est chaud, en rouge, il tend à remonter vers le haut. Voilà, c'est la même chose qui se passe à l'intérieur de la Terre. Lorsqu'il remonte vers le haut, il se refroidit, il n'y a pas de source d'énergie en haut, la source d'énergie elle est en bas, il tend à s'abaisser dans les bords du cristallisoir. Donc voilà la remontée de l'huile chaude et on va observer sur les bords du tube l'abaissement de l'huile froide. Voilà. Ce qui va créer des courants qu'on va appeler les courants de convection.